Tous les mercredis, en prime time sur M6, la critique culinaire Mercotte fait le bonheur des téléspectateurs dans Le Meilleur Pâtissier, aux côtes de Cyril Lignac. Jay, de 78 ans, elle révèle que ses petits-enfants ne savent pas qu'elle est membre du Meilleur Pâtissier. Alors que rien ne prédestinait Mercotte à faire de la télévision, sa passion pour la cuisine lui a tout de même permis de partager son expertise, mais à la télévision. Toujours présente sur M6, la critique culinaire se confie sur sa famille. Mercotte, de son vrai nom Jacqueline Mercorelli, N, a pas elle, intention de prendre sa retraite dès, aussitôt. Actuellement, j'ai de 78 ans, la critique culinaire est très active dans elle, émission Le Meilleur Pâtissier, aux côtes de Cyril Lignac, où elle partage son expérience en cuisine. C'est, et depuis 2012 qu'elle est présente sur M6, mais tient également un blog culinaire intitulé La cuisine de Mercotte, qu'elle a lancé en 2005. J. Et elle, âge de la retraite, mais je ne suis pas à la retraite. Je pense que, tant que elle, on reste actif, on garde la forme, a-t-elle fait savoir. Paris, France, 15 juin. Le blogueuse / critique culinaire et présentatrice TV, Mercotte assiste à l'ouverture du salon de la pâtisserie Porte de Versailles le 15 juin 2018 à Paris, France. Photo. Getty Images à elle, âge de 30 ans, Mercotte était déjà maman de 4 enfants, mais cela ne l'a pas empêché de réaliser ses rêves. Ses enfants ont tous 2 ans d'écart, et elle a toujours été présente aussi bien pour eux que pour ses petits-enfants. France, 15 juin. La présentatrice de télévision Cécile de Ménibus et la blogueuse / critique culinaire et présentatrice TV Mercotte assistent à l'ouverture du salon de la pâtisserie Porte de Versailles le 15 juin 2018 à Paris, France. Photo. Getty Images. La critique culinaire fait ailleurs comprendre que ses petits-enfants ignorent. Elle participe à elle, émission Le Meilleur Pâtissier, car ils n'ont pas de télévision. Ce qui est de ses enfants, ils ne regardent pas le programme. Paris, France, 15 juin. Le socialiste Ronan Chastellier de Sud Radio, la présentatrice TV Cécile de Ménibus, le cofondateur du salon de la pâtisserie Thierry Marc et la blogueuse / critique culinaire Mercotte assiste à l'ouverture du salon de la pâtisserie Porte de Versailles le 15 juin. Getty Images le mercredi 26 février 2020. Cyril Lignac a décidé de se confier sur la réaction de sa mère face à la célébrité. La maman du cuisinier voit la célébrité d'une autre manière.